Salut tout le monde. Donc comme promis, je vous fais une vidéo sur l'autopilote. Je vais rouler normalement. Je ferai des cuts juste quand je change de portion de route. Et je vais vous montrer comment se comporte l'autopilote et les petites choses à savoir. Et voilà, à partir de là, j'active l'autopilote. Donc là, c'est limité à 30, donc il va rester à 30. Donc 30, on fait vraiment du sur place. Et là, il y a le panneau 70, donc il détecte bien le panneau. Et on va voir si d'elle-même, elle va automatiquement changer l'allure. Donc, elle a détecté le panneau, par contre, elle reste à 30. Donc là, automatiquement, je vais me remettre moi-même à 70 avec le bouton de la molette. Voilà. Et là, bon, je la laisse gérer. Je pose juste la main sur le volant, mais je fais absolument rien. Donc, il y a des chicanes. Franchement, elle négocie super bien les chicanes, pas de stress du tout. Elle les frôle pas. Elle lit bien les panneaux, elle voit les voitures. Le petit bandeau bleu qui apparaît, en fait, c'est que l'ordinateur vous dit de tourner légèrement le volant pour qu'il détecte une présence. En fait, il n'y a pas besoin vraiment de faire ça. Moi, je laisse juste ma main poser sur le bas du volant et ça suffit. Voilà, donc elle a détecté le panneau de fin de limitation. Elle le voit, elle le met à 80. Par contre, la vitesse max, ça reste à 70. Donc je vais le mettre à 70. À 80, excusez-moi. Et là, gros virage, gros camion. Elle négocie parfaitement le virage. C'est naturel. Honnêtement, là, on ne sent pas vraiment de différence avec un humain ou la voiture. Moi, sur les routes comme ça, personnellement, j'ai pas de stress. Là, on va arriver sur un petit pont. Pareil, c'est un virage qui est assez grand, mais il n'est pas trop serré. Elle devrait normalement le négocier normalement. Voilà, parfait. Là, pour l'instant, c'est un sans faute. Or, je précise que c'est des routes où je ne suis jamais passé avec l'autopilote. Et là, on arrive sur un rond-point, donc je vais le désactiver moi-même avec un coup sur le haut, parce que sinon il va arriver plein de balles sur le rond-point. Pareil, je ne mets pas mon pied sur le frein, automatiquement j'arrive à la bonne allure. Hop, on sort du rond-point. Au passage, vous regarderez quand on met le clignotant, il y a forcément l'écran de clignotant qui se met avec pour les angles morts. Et là, je remets l'autopilote. Donc elle sait que c'est à 80. Alors je ne sais pas pourquoi, elle me met toujours une vitesse max à 70 là depuis que j'ai fait la vidéo. Deuxième rond-point, elle arrive beaucoup trop vite. Voilà, je reprends la main. Donc voilà, la Tesla, aujourd'hui, avec la date actuelle, en mars 2022, elle ne sait pas prendre les ronds-points. Clairement, je ne sais pas si aux États-Unis, ils n'ont pas de ronds-points, mais en tout cas en France, elle ne sait pas les prendre. Donc là, on est en ville. Là, on l'active. Les deux lignes sont en bleu, ça veut dire que c'est activé. Donc déjà, première erreur, je l'ai désactivé parce qu'il me mettait un panneau à 80 km/h alors que c'était limité à 50. Je ne sais pas si c'est Google Maps, mais en gros, j'ai souvent des erreurs comme ça. Il me met des fausses limitations de vitesse. Donc là, il ne veut pas. Voilà. Là, on est à 50 km/h, on le voit ici. Il y a un panneau 30, il détecte le panneau 30. Par contre, vous allez voir, je reprends la main parce qu'en fait, il va arriver trop vite sur le dos. Et c'est un des problèmes de l'autopilote, c'est que il va pas, entre guillemets, anticiper le potentiel danger. Il va toujours essayer d'aller au maximum de la vitesse autorisée. Et ça, c'est vraiment un gros défaut. Voilà, donc là on sort du village, on le réactive. Il a vu le panneau 50, il reste à 50. Donc ça c'est la limitation que lui a lue et ça c'est la limitation que moi j'autorise à aller, donc 50 max. Celle-ci on peut la changer avec le petit logo ici.
Et là, ça va être intéressant parce qu'on arrive à la sortie de la limitation 50. Donc, il y a le panneau qui est là. Il voit bien le panneau. Par contre, il ne remet pas. Ah, si, il a remis à 80. Ok, j'ai rien dit. Donc, comme j'ai touché, je suis obligé de le refaire manuellement. Voilà. Et là, je suis en autopilote. Donc, là, je touche rien du tout. Alors, les pieds, j'ai pas les pieds sur les pédales. Ah, il y a un cycliste, on voit qu'il freine. Voilà, j'ai absolument rien touché. Donc là, il me dit juste de poser la main sur le volant. Bon, là, je vais aller le doubler parce que sinon, il va rester bêtement derrière. Voilà, et je remets l'autopilote. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'il n'anticipe pas le potentiel danger. Il va toujours essayer d'aller au maximum de l'allure. Et là, par exemple, vous voyez, 80 ici, c'est beaucoup trop rapide. Donc là, sur une route comme ça, clairement, c'est même dangereux. Donc là, j'ai repris la main, évidemment, parce que je ne sais pas du tout ce qu'elle allait faire. Mais pour retenir quelque chose, cette voiture, l'autopilote, ça fonctionne parfaitement sur les 2x2 voies et l'autoroute. Par contre, quand vous êtes dans une commune ou des petites routes avec des virages trop serrés, c'est même pas la peine. Donc là, vous voyez, elle arrive beaucoup, beaucoup trop vite. Donc obligé de reprendre la main parce que sinon on allait tout droit dans le rond-point. Et là, par contre, on peut le remettre aussitôt. Donc vous l'aurez compris, quand il y a les lignes bleues, je touche plus à rien. Je pose juste ma main là, mais je ne fais absolument aucune pression sur le volant. Donc là, c'est pareil, il y a un rond-point qui arrive, on va beaucoup trop vite. On est à 70, c'est limité à 50. Elle l'a pas vu. Donc je reprends la main. Bon, faut dire que c'est des villages qui sont pas évidents non plus à anticiper. Il y a des ronds-points tous les 100 mètres. Là, c'est pareil, aucune anticipation au niveau du rond-point. Donc, on arrive à fond dessus. Je suis obligé de reprendre la main. Là, clairement, si je laisse faire la voiture, je sais pas quelle réaction elle a, mais pour moi, on va tout droit dans le rond-point, ou alors elle va peut-être freiner au dernier moment, mais absolument aucune anticipation sur les ronds-points. Hein. Je vous le dis clairement, c'est à proscrire pour les communes et les petites routes avec les petites routes avec les virages serrés, pardon. Bon, là on arrive dans le petit village qui s'appelle Sucé-sur-Erdre. Au passage, c'est un super beau village. C'est une de mes communes préférées ici, moi, en Loire-Atlantique. Et je vais faire un cut et on va se retrouver cette fois-ci sur une 2x2 voies et vous allez voir que l'expérience n'est pas du tout la même. Voilà, on va prendre la direction Rennes. Et ça va être l'occasion de tester comment elle se comporte pour faire une voie d'insertion. Donc là, je suis en autopilote. Dans la logique, elle devrait aller au bout et au dernier moment me redemander de prendre la main. On va voir ce qu'elle va faire. Non, bah là j'ai repris la main. En tout cas, j'ai forcé un peu sur le volant parce que j'ai l'impression qu'elle allait tout droit sur les plots. Et là, par contre, elle garde toujours le contrôle. Là, je fais absolument rien. Elle détecte tous les plots. Donc c'est une route qui n'est pas évidente ici parce qu'il y a beaucoup de travaux, il y a beaucoup de lignes jaunes. Elle a été modifiée plusieurs fois ces derniers mois. Mais en tout cas, la voiture elle se comporte très très bien. Il y a beaucoup de circulation, on voit qu'elle détecte vraiment tout ce qui se passe. Elle ralentit toute seule, j'ai rien à faire. Là pour l'instant, c'est un sans faute. Là vous allez voir, lui il va s'insérer. Là je ne fais rien du tout. La voiture la laisse. S'insérer. Alors de temps en temps, je mets le pied sur la pédale sans appuyer pour être sûr qu'elle ne me fait pas un comportement bizarre.
Donc là, on sent le volant qui bouge légèrement parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'elle cherche les lignes. Comme les lignes ne sont pas trop visibles sur la route, on sent qu'elle essaye de vraiment centrer la voiture. Bon, il n'y a rien de brusque par contre. On voyait pour une distance à 4, comme j'ai réglé, je trouve que la distance est pas mal. Elle accélère toute seule. Donc voilà, sur un périph, moi personnellement, je valide, aucun stress. Et la voiture reste parfaitement centrée sur ses voies. Et donc là, on va prendre la sortie pour aller sur Rennes. Alors regardez ce qui se passe si je tourne le volant mais que je désactive pas l'autopilote. Automatiquement, vous reprenez la main, pas de problème. Donc là, on part sur Rennes. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Si vous franchissez une ligne, la voiture va automatiquement vous mettre une alerte. Par contre, je ne sais pas pourquoi, ça ne le fait pas tout le temps. Alors, est-ce que c'est une question avec la vitesse de la voiture? Je ne sais pas. Donc voilà, là, c'est le moment le plus intéressant. C'est une deux fois deux voies limitée à... Bon, là, c'est 90, mais après, c'est 110. Et c'est le genre de route. Donc ça et l'autoroute où vous pouvez mettre l'autopilote. Et là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous êtes tranquille. Vous n'aurez absolument rien à faire. Là, vous ne conduisez plus. À partir de maintenant... Vous posez votre main sur le volant et vous ne conduisez plus du tout. On va voir si elle passe automatiquement à 110. Alors je ne sais pas pourquoi elle me met une vitesse max à 99. Moi personnellement, je n'ai pas touché. Là, il y a une voiture qui sort, elle ralentit légèrement, mais c'est naturel. Pour l'instant, il n'y a pas de problème. Alors, il y en a beaucoup qui parlent de freinage fantôme. Moi personnellement, je n'ai pas eu de freinage fantôme. Par contre, j'ai eu des ralentissements un peu trop forts pour que nécessaire en fait. C'était pas vraiment justifié, mais on peut pas vraiment parler de freinage. En tout cas, moi je n'ai pas eu ça encore. Donc là, il y a un camion qui est devant moi. La voiture automatiquement va garder ses distances, elle va réduire l'allure parce que lui normalement est limité à 90. Donc là, je fais rien. Voilà, je ne sais pas si vous voyez mes pieds, mais en gros, j'ai les pieds repliés et je fais absolument rien. Voilà, la voiture reste derrière le camion. Et ce que je vais vous montrer, je ne sais pas si ça va marcher, parce que évidemment, quand on essaie de montrer des choses, ça ne marche jamais. C'est que si j'essaye de doubler ce camion sans mettre le clignotant, la voiture va me mettre une alarme. Donc, on va essayer. Non, là, elle ne le fait pas. Ah si. Voilà, elle a fait. C'est ça que je voulais vous montrer. Donc, je remets l'autopilote. Je laisse la voiture derrière moi me doubler si elle veut bien. Et après, je recommence la manœuvre. Non, elle ne veut pas me doubler. Donc, je vais essayer de doubler le camion. Je force le volant. Voilà. Donc, en fait, on voit que si je ne mets pas le clignotant, il y a une grosse alarme. C'est en gros le franchissement de voie qui vous réveille. Maintenant, je vais mettre le clignotant. Quand je vais essayer de doubler le camion, j'aurai absolument aucune alarme. Là, l'autopilote se désengage. Par contre, le régulateur, lui, ne se désengage pas. Et ça, c'est bien parce qu'en fait, vous n'avez pas à toucher aux pédales. Alors, j'espère que je me suis bien expliqué. Et là, automatiquement, la voiture va doubler. Alors, je ne sais pas pourquoi elle me met à 99. On va remettre à 110. Je vais refaire la manœuvre. Voilà, je me remets un autopilote ici. Là, je mets le clignotant parce que je vais pouvoir doubler le camion. Ça désengage l'autopilote automatiquement parce que j'ai pris le volant. Mais je n'ai pas accéléré parce que quand vous désengagez l'autopilote, c'est le régulateur qui reste actif. Voilà. Donc en fait, je ne touche jamais aux pédales. Là, je suis en mode régulateur. Je revais sur ma voie.
Là, je remets l'autopilote. Là, j'ai rien à faire. Si je veux enlever l'autopilote, je mets un coup vers le haut. Voilà. Et là, ça enlève le régulateur et l'autopilote. Donc, je le remets. Alors, je mets le clignotant pour pas avoir le système d'alarme. Bon, vous l'aurez compris, quand vous mettez le clignotant et que vous apprêtez à doubler, ça enlève l'autopilote. Par contre, ça laisse le régulateur. Le régulateur, il est toujours actif. Et en fait, on le voit parce que ça met la limitation ici. Si j'enlève le régulateur en mettant mon pied sur le frein ou en faisant un coup vers le haut, comme ceci, automatiquement, l'allure se met en gris. Donc j'appuie un coup régulateur, j'appuie deux coups autopilote. Et bon voilà, sur les routes comme ça, vous êtes tranquille et vous pouvez même vous amuser. Regardez, vous faites quatre coups vers le bas. Ça met une petite route arc-en-ciel. À partir de là, bon, vous faites ce que vous voulez sur l'écran, vous pouvez voir l'arrière. Donc un autre passage, toujours sur le périphérique, là ça bouchonne vraiment, je suis en autopilote. La voiture elle se comporte vraiment très bien, j'ai rien à faire, elle reste parfaitement centrée sur ses lignes. La vitesse est normalement limitée à 90. Bon, là, la distance ne le permet pas. Donc, voilà. Mais vous voyez que, autant sur. Elle ne sait pas prendre les ronds-points et tout ça, autant sur des routes comme ça, c'est presque plus sécurisant que si vous conduisez vous-même, en fait. C'est parfait, là. C'est très naturel, c'est parfait. Ça vous permet de voir les gros travaux, il y en a pour 4-5 ans. Voilà, elle accélère toute seule. Là, j'ai absolument rien fait depuis le début. Bon, malheureusement, elle va pas se mettre d'elle-même sur la voie de droite, donc on va le faire manuellement. Donc clignotant pour pas avoir l'alarme. Voilà, par contre, elle garde le régulateur et là, je remets l'autopilote. Alors, c'est un peu un comble, mais soit la voiture elle conduit parfaitement, soit elle va pas du tout savoir gérer les ronds-points et les petits villages. En fait, elle va pas anticiper. Les virages et les obstacles qui vont être devant vous, comme les ronds-points, j'en reviens toujours aux ronds-points, c'est vraiment ça qui est le plus surprenant. On voit qu'il manque pas beaucoup de choses pour que la voiture soit vraiment autonome en fait. Ils ont fait des progrès vraiment spectaculaires. Il manque encore un petit truc. Ils vont y arriver, c'est certain, ils vont y arriver. J'ai aucun doute là-dessus. Maintenant, je ne sais pas si ça sera dans 6 mois, dans un an, dans 5 ans. Mais je pense qu'on n'en est pas loin. Vraiment, je pense qu'on n'en est vraiment pas loin. Donc là, exemple typique, la route est limitée à 110, mais la voiture, elle n'est pas repartie tout de suite à 110 parce qu'en fait, elle attendait que le camion soit vraiment sorti des lignes. Même s'il reste une toute petite partie du camion sur la ligne, sur les lignes devant vous, elle ne va pas accélérer. Elle veut vraiment que la route soit dégagée. Donc que les deux lignes là soient complètement dégagées avant d'accélérer. Alors qu'on aurait tendance, l'humain, à accélérer bien avant quand on sait que la voiture va sortir. Là par exemple, la voiture elle sort. Voilà, moi j'accélère ici normalement. Donc
là je vais sortir. Mais elle, elle aurait attendu que la voiture soit complètement en dehors des lignes. Et c'est là qu'on a des ralentissements en fait, dits fantômes. Alors, quand je vous dis que la voiture ne sait pas prendre les ronds-points, je vais vous le prouver. Donc, je sais à peu près le comportement qu'elle va avoir. Là, j'enclenche l'autopilote. Je limite à 30 la vitesse. Voilà, et 30, c'est un peu trop rapide. Et là, je la laisse gérer. Regardez ce qu'elle va faire. Voilà. Vous voyez, elle fait absolument... Elle a fait absolument n'importe quoi. Elle m'a demandé de reprendre le volant. Deuxième exemple. Voilà, je la laisse gérer. Ok, là je reprends direct le volant parce que là, c'est absolument pas ce qu'elle fait. Elle allait directement dans le mur. Donc là, il y a une voiture arrêtée. Je suis en autopilote. On va voir si elle va accélérer. Oui, donc elle reprend la vitesse. Et là, elle me demande de reprendre la main. Alors, c'est dommage parce qu'en fait, elle s'engageait pas trop mal sur le rond-point. Et au final, elle n'a pas su quoi faire. Bon, vous l'aurez compris, c'est des petits défauts qui vont s'améliorer avec le temps. Malgré ça, ça reste quand même une voiture extraordinaire. Je ne les changerai absolument jamais. Je tiens quand même à mettre les choses au clair. Cette voiture, elle est quand même... Elle est quand même géniale. Bon, je vais vous laisser là pour cette vidéo, sinon elle va durer une demi-heure. Vous me direz de votre côté ce que vous en pensez et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Salut à tous, ciao ciao.